Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer un peu l'aventure sur The Division. C'est la suite de la vidéo précédente, hein, vu que j'étais en live. C'est full, hein, c'est je full, full, full le jeu là. Donc, les intros et les outros vont être un peu à chier, mais bon, c'est pas grave. Vu que je rush le jeu, ça va être de la suite, de la suite, de la suite. On verra si je sors tout le même jour ou quoi, ou qu'est-ce. Je sais pas encore, on verra bien. Alors. Du coup, on va aller finir les missions pour le théâtre. Faudrait que j'aille faire l'activité. D'abord. On va aller faire l'activité d'abord. J'arrive à sortir de cet endroit. Comment on sort, bordel? Même pas comment on sort. Ah, c'est par là, je me souviens. Ah putain, mais les coffres ils sont déjà pleins alors que je viens de passer. Le plus long dans le jeu, le plus chiant, c'est de marcher comme ça. Tank, tank. C'est relou. Opération de sauvetage. Alors, est-ce qu'il faut que je rentre par là? Non. Allons, sauver. Ah, vous venez m'aider carrément? Vous allez vous faire soulever? Voilà, j'ai la clé. Ah, l'autre il est parti, rush dans le tas, il est en train de se faire soulever. Vas-y, occupe-le encore. Je sais pas comment il se fait soulever. Toi, tu peux pas m'aider, toi. Genre, tu t'es calé derrière moi, mais tu tuerais pas ceux qui sont derrière moi. Hein. Ah, j'ai rechargé trop tôt. Voilà, on a secouru l'otage, c'est fini. Rien à récupérer? Genre! Ah, ils sont déjà là, les coffres. Je prends. Je prends aussi. Par contre, les spots, ils font mal à la tête. Y a pas un moyen de changer cette merde là? Luminosité V5, limite FPS, non, ombre qualité, ombre des spots. Que c'est ça? Rien changé. Ah, tant pis. Vous avez besoin de quelque chose? Par contre, j'ai enlevé ça, j'ai l'impression que du coup, le stream il bug. On va les remettre, hein. Donc, petite mission, niveau 26. 5 missions, et il y a une condition. Ah, faut que je finisse toute celle-là d'abord. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et je viens d'en finir une ici, là. Elle est partie où le logo? Bon, c'est pas grave. Oh, Air Force One. PC1 pour PC2. Ouais. Est-on prêt à faire un petit win streak comme hier? Voilà, je suis sur The Division et qui m'a rendu fou. Bah vas-y, bah viens sur Apex alors. Impossible de le stream au début. Tu C'était restes sur Divi ou tu viens impossible. sur Apex? Non, je vais rester sur The Division pour l'instant. Vas-y, vas-y. The Division, c'était impossible à le stream. Ah ouais, mais je sais pas trop jouer, mais j'ai pas joué du tout.
Non, mais c'est pas ça, c'est que là il bouffe 80% de mon processeur, 91% de mon processeur graphique. Juste The Division. Ah, bah c'est lourd hein, The Division, hein. C'est un jeu qui demande beaucoup de. Ah, mais le 1, moi j'ai jamais eu de problème à le stream. Hein. Là, en fait, tout à l'heure, je rencontrais un problème. J'ai été parler à plein de streamers pour voir s'ils l'avaient eu ce problème-là et personne l'a eu. Mais il y en a plein qui sont dans le même cas. In-game, j'ai aucun lag. Mais vraiment, ouais. Aucun lag. Oui, mais sur le stream, tu lags à fond. Sur le stream, ça lag dans tous les sens. Mais le truc est encore plus surprenant. J'ai zéro image perdue et mon CPU, il tourne à 10%. Mais par contre, il me dit encodage en surcharge. Alors, est-ce que t'es allé check dans tes options graphiques sous Windows si le jeu est en haute performance, c'est la même manip que pour Apex? Non, j'ai pas été voir parce que je me souvenais plus. Mais ajoute l'application, mets-le en haute performance et check parce que je pense qu'il y a moyen que ça t'aide aussi. Tu vois de quoi je parle? Ouais, ouais, je vois, mais ça veut dire qu'après j'aurai encore moins de allocation pour le stream. Ben non, pourquoi? Si je le passe en haute priorité. Ah non, haute performance, non, c'est autre chose. Haute priorité. C'est au lieu de prendre la carte graphique de ta carte mère, il va lui attribuer proprement ta CG, ta vraie CG en fait. Tu sais, c'est la même chose qu'on a fait pour Apex. C'est-à-dire que le jeu a la sale habitude de reconnaître ton processeur graphique de base qui est présent sur ta carte mère comme le processeur graphique, tu vois, le plus performant, alors que ça ne l'est pas. Parce que là, tu vois, je suis dans le gestionnaire de tâches. Processeur, il me dit 80%. Processeur graphique, il clignote. Un coup 92, un coup 0, un coup 99, un coup 0. Après, il met GPU 0 3D. Je sais pas ce que c'est. Donc, quand il dit processeur graphique, là, dans le gestionnaire de tâches, c'est le processeur graphique de la carte mère. Bah, c'est possible, ouais. C'est très possible, ouais. Comment on fait déjà? Parce que je me souviens plus comment on fait pour aller. Tu tapes t'es en français, tu tapes option graphique dans la barre Windows. Ouais. T'as un petit truc qui apparaît, hein. Tu ajoutes application en classique. Okay. Tu vas. Il me dit que des recherches sur internet. Ah, paramètres graphiques, d'accord, c'était paramètres. Oui, pardon, j'ai dit quoi, moi, option graphique? Excusez-moi, l'ordinateur. Hein, j'ai dit quoi, option graphique, moi? Ouais, c'est pour ça que Attends, deux secondes, je prends le téléphone. Programme... Ah non, putain, si je vais dans les programmes d'origine, je risque pas de le trouver. Jeu, Uplay, Game, Tom Clancy, The Division, hop, ajouter, option, performance élevée. Enregistré. Oh, j'en peux plus, on est infesté de moustiques. Ah, de la tech. La tech SHD, elle est où? Elle est là. La tech SHD. Voilà, on va les enculer tous là. Pourquoi le point il avance pas en fait? Bon bah. Qu'est-ce que j'ai à faire ici en fait? C'est un point de passage? Ok, d'accord. Un agent a besoin de backup. Oui, bah moi j'ai pas besoin de backup et j'ai pas besoin de TD non plus. Donc tu démerdes. Détecté. Clé d'accès détecté. Ça manque un.
Ça manque, hein, il est caché. Caché où ce con? Ah, il est au-dessus. Aidez. C'est déjà fini l'activité? Non, mais faut que j'arrive à tuer l'autre par contre, sinon. Le périmètre, bordel, et ça a planté. Vas-y, descends. Je vais jamais pouvoir sécuriser la zone. Moi, je monte là-haut. Et je suis heureux. Ouais. Ah bah si, t'étais là toi. Hop, dégage. Faudrait que t'ailles voir sur mon stream si ça saccade. Ouais, tu peux. Tu fais bien de me l'avoir dit maintenant, j'ai lancé une... Ah là là. C'est My Chiki ton stream, putain, ouais. D'ailleurs, attends, faut que je te lâche un follow et tout, je suis encore allé dessus. C'est moi-même. My Chiki. Correspondance oh, de base. Il s'est béton dans les escaliers, mon bonhomme. Détecté. Lève les pieds, Kaladou! Comment on sort d'ici, bordel de queue? Je suis coincé dans le battement. Je suis coincé dans le battement. Je me souviens plus par où je suis rentré. Ça va, hein, c'est voilà, clean, ça va, c'est bon. Oh, c'est bon, bah, c'est-à-dire que j'ai enfin trouvé après 3 heures de prise de tête là. Bordel. De toute façon, on c'est. Clean, de toute façon, Ubisoft, il manque toujours d'optimisation quand ils sortent leur jeu. Alors, toujours été comme ça, Ubisoft. Laisse tomber, Ubisoft, dès qu'ils sortent un jeu, c'est la catastrophe. Ils bouffent 100% de ta carte graphique. Pour te dire, le jeu il tourne même pas en ultra avec ma config. Hop, j'ai lâché un petit follow. Donc, t'es sur quoi là? Sur du 1080 Ti. Le jeu est tellement mal optique, il tourne même pas en ultra. Non, vas-y, la flamme vous de vous fight. Ah, tu fais 850 dans ton PC. De quoi? Ton alim. Ah, ouais. Mais je voulais faire un sli de base. C'est... Ouais, mais c'est... Tu... Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Sauf oui, qu'ils vendent plus, la... Ils vendent plus la, 4000... la 1080 Ti, là. Ils la vendent plus. Enfin, ils la fabriquent plus pour, valeur... pour favoriser les ventes de RTX. Donc, je l'ai dans le cul. Éliminer les hyènes dans le hall principal. Éliminer les hyènes. Alors on va les éliminer, c'est pas grave. Tous les otages sont morts. Ah, tous les otages sont dead. Ça c'est dommage. Je me rapproche, Coco, je me rapproche, je tire pas, t'en plains pas. Ah, mais il y en a encore. Oh là là, le gars, putain. Quand est-ce que les mecs ils vont comprendre comment on drop vraiment?
gars il cruise à 110 km/h, tu sais, pour arriver jusqu'à sa destination. Non, non, merci, c'est vrai. On vient de me signaler de l'activité sur le toit. Cherchez un chemin pour vous y rendre. C'est bon ça. Papa il aime bien looter des armures épiques dans la première box qu'il loue. Tu vas arriver, tu seras level 30. Non, pas encore. Plus que level 6, mais j'ai déjà bâclé toute la première zone là. C'est la dernière mission de la première zone. Monte là. Toute la première zone là, normalement je l'ai bâclé, j'ai fait toutes les activités, mais ça revient tout le temps les activités inconnues. Regarde, tu vois là, il y en a encore deux qui sont revenus. Regarde, là, je viens d'y aller. Je l'ai fait deux fois déjà, cette diffusion de propagande. Elle est revenue encore. Et ça, j'ai là encore une à récupérer. Voilà, je vais faire ça, 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 ça. Ah, il y a un colis aussi à aller chercher. On va aller chercher le colis. Alors, les colis, il y a du bon. Par là. Pourquoi t'es capable? Ah. On va mourir, oui. C'est le third one, yeah. Non, voilà, pour l'instant, moi je trouve que c'est bon. Là, la qualité de mon côté, ça lag moins déjà. Vraiment, in-game, elle est parfaite la qualité. Hein. C'est juste sur le stream que j'arrive pas à la stabiliser, mais là, c'est la meilleure stabilisation que je l'ai faite. Et merde, j'avais pas vu la grotte. Peut-être ouais, que c'était les bugs du lancement du jeu, je sais pas, mais en tout cas la bêta tournait largement mieux sur mon ordi, pour te dire que la bêta je l'ai faite en ultra presque, et là j'étais obligé de me mettre en moyen presque. De toute façon Ubisoft c'est toujours comme ça à la sortie de leur jeu, ils sont toujours buggés à la mort et ils sont pas du tout optimes. Pour te dire là mon processeur il est à 100% hein, et les 80% c'est le jeu. Hein, Alors tout à l'heure j'ai testé sur Apex, Apex il me bouffait 40% de mon processeur, même pas. Il est pas très gourmand avec ça. Pas du tout même. Et merde, je suis mort. Sur les forums, plein de gens galéraient. Bah ouais, il y a plein de gens qui galèrent parce qu'ils te mettent un... Comment dire? Ils mettent une configuration minimale pour jouer au jeu, mais la minimale, jamais, elle va être bonne. Hein, je te le dis tout de suite. La config minimale qu'ils préconisent, jamais elle sera bonne. Hein. Ouais, t'es voir sur les forums, mais de toute façon tu connais Ubisoft, hein, quand il y a un truc qui va pas, ils font la image directe. Donc je pense que d'ici demain ou après-demain, il y aura déjà une image de correctif, d'optimisation ou une connerie comme ça. Ubisoft, ils font des jeux, ils sont pas du tout optis, et quand tout le monde se plaint, ils se bougent le cul, hein, en général. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pour ça que je sais que The Division, il va cartonner comme le premier. Ouais, même dans la nuit, ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller, la mise à jour, elle sera même installée sur mon ordi, tu vois. Ubisoft, eux, ils osaient, eux, niveau réactivité, c'est 100%. Hein. Eux, ils rigolent pas avec leur jeu. Car pour The Division 1, à un moment, enfin, le jeu, je me souviens, le lancement du jeu, il est sorti. Le loot rate, il était tellement élevé que, avec des potes, au bout de deux semaines, on était déjà presque level maximum.
Et beaucoup de gens sont pleins, et dès qu'il y a 30 gens qui sont pleins, ils en sortent du jour au lendemain, ils ont sorti une mage, ils ont corrigé tout le loot rate. Après, pour l'autre des items, mon pote, c'était la merde. Même avec tous les glitchers qu'il y a eu au début de la sortie du jeu, en 3 jours, ils ont tous été bannis et plus aucun glitch était dispo. Merde, j'ai fait une connerie. Ah ouais, je me suis fait baiser encore. Mieux, déjà tout gratuit, 0 DLC payant. Ouais, normalement, il y a 0 DLC payant, ouais, normalement. Yeah, moi, j'ai quand même pris le saison pass à part, on sait jamais. La douille française, on la connaît. Ubisoft, hein, ça vaut des belles escrocs, donc... quand même pris le season pass. Ah, moi, si tout se passe bien, demain, je reçois ma figurine et tout. J'espère. Avoir ma M60, bordel. Le temps que toi tu vas rentabiliser ce zone pass avec les accès anticipés, bah c'est sûr. Là, l'accès anticipé et tout le bordel, je vais le rentabiliser de ouf. Et puis pour les jeux que je kiffe vraiment, ou pour le premier opus, j'ai eu un coup de cœur, bah je prends toujours ce zone pass. Surtout The Division, c'est l'un de mes jeux favoris. Même à jouer tout seul sur un jeu comme ça, je m'ennuie pas tout seul. Il y a tellement de choses à faire dans The Division que tu peux même jouer tout seul sans problème. De quoi je meurs parce que je suis pas concentré. Il va me baiser encore. Il n'y a plus de soins. Encaisse les balles à ma place, encaisse les balles à ma place. Voilà. Y'a quoi dans l'édition gold? Ouh, caladio. Je vais me faire soulever là. Je crois que l'édition gold, t'as juste le season pass. Hein. Et quelques avantages in-game. Moi par contre, je me suis connecté au jeu avec mon édition collector, ça a connecté dans tous les sens. Hein. Après, je te montre après le pass. Enfin, je te montre après le combat. Que j'ai eu. Merde, j'ai pas récupéré. Cherchez les enfin. Peut-être qu'ils se cachent. Cherchez les survivants. Regarde ce que j'ai eu dans mon édition collector. Moi j'ai pas eu tout parce que j'ai pas pris la plus grosse, j'ai eu le pompe exotique. Et j'ai eu le pompe exotique. J'ai eu plein de techno. J'ai eu des habits. J'ai pas eu de trucs de ouf, tu vois. Mais je sais que l'édition à 110 balles digitale, là t'as le season pass, t'as des armes, t'as machin, t'as truc. Moi je crois que j'ai des armes normalement, mais je les ai pas trouvées encore. Je sais pas où ils sont dans le jeu. Dieu merci. On reste là tant que c'est dangereux. Et après on file au théâtre. Pas où ils sont. Normalement les trucs que j'aurais dû avoir, je sais pas. Je sais pas où ils ont été se foutre. Voilà, normalement tout ça c'est réglé.
Ouais, c'est juste le nom qui est attirant, il n'y a rien de ouf, hein. Tout ça, tu vas là. En fait, tout ce que tu as dans le Season Pass, enfin, enfin, pas dans le Season Pass, mais dans les éditions Gold et tout, c'est des choses que tu vas pouvoir après, tu vas avoir après dans le jeu. Donc, juste que moi, je voulais absolument la figurine, donc tout était fourni avec. Mais en soi, il n'y avait pas, je m'en foutrais carrément. Que tout ça, tu vas l'avoir plus tard, tu vas pouvoir le débloquer dans le jeu en avançant. Donc, au final, il n'y a rien de ouf, hein. Et en plus c'est pas un pompe de ouf hein, qu'il donne, hein. Franchement il est pas, il est bof. Hein. Il est pour ton niveau du début c'est tout. À haut level il servira plus à rien. Dans 2 secondes il me faut le violin. Qu'il y en ait un ennemi comme ça là. Il n'avait pas cassé mon moteur de voiture, je l'aurais prise. Ah bah ça. Ah. Ouais, l'impression 3D aussi. Mais ah bon, elle sera pas aussi jolie que la mienne du coup. J'échange les deux, tu verras rien. Ah! C'est pas sûr, hein. Il est encore là. Voilà. Ça me la foutre à l'envers. Vous avez bien fait d'intervenir. Je reviens. Ouais, ça marche. Ouh. Je vais demander à Odessa d'envoyer une escorte. C'est tendu un peu. Bon. C'est tout fini ici, hein. Oh, du sauvetage. Mais j'en ai marre, ça. Ah non, je l'ai fait, c'est vert. J'ai encore 2 là à faire. C'est quoi, on va aller au refuge. On va faire un déplacement rapide parce que j'en ai un peu ras le cul de courir. Bon, vas-y, ça marche, Emric, à toute. À 18h, ouais, quelque chose par là. Tu m'envoies un message quand t'es là, de toute façon. Ah merde, y'a pas le jeu sur cette scène. Voilà. Pour passer en config, sélectionnez l'onglet config de la méga carte. Ça, je connais. J'ai fait déjà. Bon. Alors, le théâtre, normalement, je l'ai bien maximisé là. Normalement, là, j'ai fait voilà les choses. Stockage d'énergie. Les batteries que vous avez trouvées nous aideront à stocker l'électricité de manière plus efficace. Merci, agent. Nice, nice, nice. On a bien Bonjour. Amélioré. Vous êtes de retour? Ouais, c'est quoi ça? Progression du refuge. Ah, et comment ça niveau 1 encore? Oh, 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 oh. Équiper groupe de chasse? Ouais! Comment on fait ça? Venez voir. Il manque ces deux trucs là. Ah, mais c'est le projet, faut que j'aille au projet. D'accord, le projet. Cette fois-ci, c'est pour les gosses. Le nouveau centre de jeux vidéo est opérationnel. J'espère que ça leur donnera envie d'aller y faire une partie. Filtrage de l'eau. On dispose désormais d'un système de purification d'eau. Ça va nous permettre de sauver des vies. C'est vous. Voilà, nous on améliore bien les choses, non, regarde pas. Bon. Est-ce que déjà pour les projets, tout le Guinguin là. Là non. Projet.
Schéma mire métallique épuré, schéma poignée verticale, nice, on va pouvoir les fabriquer. Et il n'y a plus de projet du coup. Au supérieur. Et bah j'ai tout visité, donc attends, on va retourner la dame là-haut là. La dame là, elle est où? Voilà. Progression du refuge. Eh, mais j'ai fini tout ça là. Je comprends pas. Faut faire. Les groupes de chasse, c'est un projet d'entretien. Ça fait plaisir de vous voir. Pas capté. J'ai pas capté là. Des blocages d'amélioration, mais j'ai tout fini ici. Waouh, mais c'est revenu encore. Et les points de contrôle, ils rigolent zéro. Hein. Ça, ah, les contacts radio avec Espinosa. Il y a des yens partout dans le complexe. Oh non, là, tout ce qu'il y a à faire encore. Encore accès à la DZ. Mais les DZ, elles ont bougé avant. Elle était là, non? Non, elle était là. Je pouvais. Ah, on pouvait y aller quand même. On avait accès à toute la zone. Oh, je sais plus. Il y avait accès dans la bêta ou non. Les priorités sont de localiser. Du coup là c'est 4-8, mais faut que je termine tout ça avant. Faut que je termine tout avant de bouger de la zone, c'est hors de question que je. Hors de question que je bouge tout de suite. Mais du coup, on peut pas fabriquer ici. Demande de backup reçue. Y'a pas de backup avec moi. Je joue solo. Je comprends pas à équiper. Ah faut peut-être. Que je regarde dans je sais pas où qu'on regarde et là un projet conflit on peut aller faire du conflit mais j'ai pas ma M60 putain pas aller faire un conflit maintenant j'ai pas trouvé ma M60 par contre on va aller là. Modification, il est possible de modifier le matériel. Ouais. Et au fil du temps, vous aurez accès à davantage de modifications. Alors, continuez d'ouvrir l'œil. Ok, bon, moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour parler à monsieur là. Hey, agent, j'ai ouais, quelque chose ouais. De spécial pour vous. Je sais, mon pote. Pourquoi tout ça s'est bloqué? Ah oui. Alors, c'était quoi? Je crois que c'était pas le drone. Si, mais normalement, c'était le drone qui te soigne. Hein? Si le drone pouvait te soigner dans la bêta, t'avais pas accès à la luciole dans la bêta, t'avais pas accès. Attends. Ça, j'ai des bombes et ça fait quoi? Et si c'est le réparateur, c'est ça qu'il me faut. C'est 5, allez, je te débloque mon pote. Je te débloque, mais par contre, je crois que la ruche est vraiment nice aussi. La ruche reconstituante déploie des mini-drones de réparation qui viennent réparer la protection des alliés. On va peut-être dû prendre la ruche. Ah, mais la ruche, tu vois, il faut la lancer. Ah, il y a peut-être la luciole aussi qui est bien, non? La luciole, c'est pour les dégâts. Vu que pour l'instant on est solo, on va prendre un truc de dégâts et un truc de soin, comme ça au moins. Eh bien. Donc les bonus, j'en ai 4. Alors vu que j'ai 4 bonus, on va prendre les bonus d'XP déjà. Éliminer plusieurs ennemis en même temps rapporte des bonus d'XP. Ça c'est quoi? Réserve à un moment, le capacité de stock. Vous pouvez maintenir. Vous pouvez maintenant apporter un kit de protection en plus, soit un total de 4 kits. Ça, c'est bien. Récompense chargeur.
J'aime pas bosser en boutique. On a poigné. Dans le personnel. Ok. Ça c'est good. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à foutre ici? Agent, là, j'ai ce que vous voulez. Il y a des choses à récupérer ici, non. Je pense que j'ai plus rien à foutre ici. Ah si, la fabrication. Il y a la fabrique. Mode divers. On va prendre une poignée. Fabriquer. Oh mais si à chaque fois ça te sort, c'est relou par contre. Ah, faut faire retour. D'accord, c'est retour. Ok, pardon, j'ai rien dit. Du coup, on va t'équiper. C'est quoi la touche pour équiper un mode? C'est F, modification. Oh, bah, j'ai déjà un dégât des headshots. Ok. La petite poignée, on n'a pas de chargeur, non. Mais comment on change la... camouflage de l'arme en fait. J'ai aucune idée. Hein. Attends, mais du coup, c'est dire peut-être que. Ah, ok, mon AK elle peut pas avoir de. Mon AK ne peut pas avoir de. De camo. Ok, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. J'ai. Du coup, je peux te parler ou pas, non? Je peux pas te parler. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre. Je vais vendre un peu. Regardez un peu ce que j'ai en stock. On va vendre. Ben, c'est B. Ben, je m'en fous, je m'en fous. Non, mais je suis con, moi. Non, moi, je veux vendre alors que j'ai même pas. Je suis content qu'on ait trouvé un deal. Regardez si je peux pas équiper mieux. Ouais, j'allais faire de la merde là. Reba, choix énorme. Tout ça c'est pour vous. Ouais, tout ça c'est pour moi, c'est bien. Par contre, ouvrir. Ouais, j'ai la MG5, mais c'est pas la M60, c'est déjà un bon début. On va pouvoir remplacer cette AK de merde. Attends, mon pote, attends. Elle est où? Oh, elle est badass, mon frère. Elle est badass. Équipé. Alors, toi, modifié. Basculer, normalisation. C'est quoi, ça, basculer, normalisation? Ok, il n'y a pas une touche pour enlever tous les modes d'un coup? Si, vider. Ah, mais faut... Ah oui, mais moi, mon tab s'affiche la carte. C'est relou, à chaque fois, je vais me faire baiser. Non, du coup... Ah, bah, ça l'a enlevé quand même, mais ça m'a ouvert la carte. Pourquoi pas? Alors... Moi ça, par contre je vais, ça va pas mettre un gros viseur de ouf. Ah, il y a un chargeur pour toi. Plus 25 de vitesse de rechange. Oh, moins 15 de mille. Ah, on va pas tortiller du cul. Hein. Vendre. Attends, on va faire. Attends, mais pourquoi? Pourquoi ça me met que j'ai des trucs mieux là? J'en ai encore eu des. Ouais, wesh. Ça sort d'où tout ça? D'où ça sort? On est sacrifié, tout doit partir. D'où ça sort tout ça? On y retourne, vendre. Et vendre babiole. Ah, ça vend pas tout d'un coup? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Mais j'ai tout marqué pour vendre, pourquoi ça vend pas? Pourquoi? Mais dis pas qu'il faut vendre tout un par un parce que c'est bugué. Ah bah si, c'est bugué. Ah, ça...
c'est de ça que j'avais besoin. Faire tout par un, écoute, qu'est-ce que je te dise. Cherchez ça, justement. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en vends, toi, sinon? Tu vas me vendre un pompe? Alors que je l'ai déjà. Bon. J'adore bosser avec vous, agent. Pompe, pompe, il fait 21,1k. Et je l'ai déjà, en fait. Le pompe. De l'eau. Qu'est-ce que je t'en vends un. C'est quoi? C'est un schéma que tu me vends, ça? C'est quoi? C'est un schéma. La berceuse amélioration de score de l'équipe. Pas compris, mais écoute. Bien. J'ai acheté. Pigeon. J'achète des choses, mais qui vont me servir à rien. Merci, c'était un plaisir. Ravi d'avoir fait affaire. Du coup, mon arme, elle a augmenté. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce que je viens d'acheter. J'ai le plus gros stock de tout Washington. Vraiment. Mais j'ai pas capté. Et vas-y, je clique sur A, ça change toutes les touches là. C'est les couilles, il faut tout faire à la souris. Attends, il m'a bien dit que j'ai eu une amélioration de la merde là. Comment ça, mon pompe il a pas augmenté là? J'ai rien pigé. Alors là, que dalle. Walou hein. Là, il me reste pas mal de choses à faire encore. Là, ils sont en train de me reprendre, de me repéter à tous les points de contrôle, ces enculés. Ah, il y a des projets là. Ah, bah non, il n'y a pas de projet en fait. Côté quitter personne, ok. Par contre, il n'y a pas moyen d'augmenter la difficulté du jeu un peu parce que... Trop facile, mais... Voilà quoi. Peut-être pas là, c'est peut-être dans les options comme avant. Calme. Bientôt disponible dans une mise à jour gratuite. On verra ça après alors. Oh non, ça met le viseur. Je suis deg du coup. Du coup, je suis deg. Ouais, du coup, je suis deg. Voilà, c'est mieux comme ça. Comment il tire lui? Ouh! Peut-être mieux que la M60 du coup. C'est que la M60 fait plus de dégâts par contre. On va faire une petite activité. Je pense que en stream, je vais faire toutes les autres activités là. Clean la zone et. Mais je les mettrai pas sur YouTube. Pas beaucoup de balles par contre dans le chargeur. Cadence de tir bien trop. Non, 35 balles dans une sulfateuse. Et ça fait pas énormément de dégâts. Hein. Largement la M60. Ennemi multiple en approche. Encore ennemi multiple.
Monte, Caladio. Ok, peut-être qu'avec un grand chargeur, elle peut donner quelque chose d'intéressant, elle. Je fais ça et après je vais faire une petite pause par contre pour ceux qui sont là encore. Et bah voilà les amis. Donc, du coup pour YouTube, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.